Le chant prénatal, c'est une préparation à l'accueil de la vie. C'est global dans le sens où ça, c'est une préparation qui accompagne la future maman et éventuellement le futur papa pendant la grossesse, éventuellement pendant l'accouchement et après quand le bébé arrive. Le chant prénatal a quatre vocations. D'abord, apporter un bien-être pendant la grossesse, parce que quand on chante, on va actionner certains muscles, la posture, la respiration. La deuxième vocation va être de créer un lien au bébé à naître, dans le sens où on va mettre des mots, chanter des chants, éventuellement le papa peut venir aussi mettre sa voix et envelopper le bébé de sa voix, ce qui permet de nouer cette relation au futur bébé. Il y a aussi la troisième vocation qui est d'apporter des sons, des positions et des choses qui vont aider pour l'accouchement. Et la dernière vocation, donc la quatrième, c'est l'accueil du bébé. Donc on travaille aussi sur le portage, toutes les chansons qu'on a apprises, on va pouvoir échanger avec lui et continuer ce moment de la grossesse avec le bébé. Le chant, c'est très important pour moi, ça me permet de rester connectée avec mon corps, avec mes sensations. C'est un accompagnement de la douleur qui est important pour apprendre à la gérer et c'est une façon assez efficace, je pense, pour appréhender les contractions, les douleurs et les accompagner. De toute façon, ça va évoluer hein, au cours du travail. Peut-être qu'au début, vous serez vraiment très 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 intériorisé. Même en lien avec le bébé. On a toujours un temps d'éveil corporel, travail sur le corps en profondeur, qui peut être soit dynamisant, soit pacifiant. Un travail vocal qui peut être dans la vibration profonde. Il y a un temps de chanson, toujours, on va chanter une ou deux chansons. Et un temps de travail plus spécifique, donc qui intervient sur une des quatre vocations. Donc soit on va travailler sur le corps pour essayer de se faire du bien, soit on va travailler sur l'accouchement, les sons de l'accouchement, et soit on va travailler sur l'accueil du bébé, façon de le porter. Et voilà. Ce que ça m'apporte, en fait, déjà la joie de venir ici, parce qu'on se sent bien. Complètement détendu, déstressé de tout ce qu'il y a autour. Et enfin, on pense à soi et rien qu'à soi et rien qu'au bébé. Et rien que ça fait du bien.